Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a pratiquement rien préparé. Bienvenue dans notre 11e épisode. C'est mon nombre préféré, je suis trop contente. Et je suis Ise Bressel, votre hôte du jour qui aime le 11, parce que 1 et 1 sont deux individualités qui font deux. Et je suis accompagnée par le crépitant Hicham El Amouri. Je ne suis pas crépitant. Un crépitant dans les poumons, par exemple, en médecine, c'est vraiment pas bon signe. Hein. Que je vous le fasse savoir. Donc, je ne suis pas une pneumonie. Je n'ai pas de pneumonie non plus. Ne lancez pas des rumeurs comme ça sur moi. Pardon. Et sans insulter ses poumons, j'ai aussi avec moi le croustillant Manu Hennebert. Alors attention, parce que sur Top Chef, croustillant, c'est pas bien. Alors arrêtez. Arrêtez, je vous demande de vous arrêter. Voilà. C'est pas vrai. Laisse Edouard Balladur où qu'il soit actuellement, laisse-le là, s'il te plaît. Mais non, merci, je prends ton compliment. Ton comprimé. Je prends ton compliment et je me l'imprime sur le cœur. Voilà. Attention, parce que comprimé dans l'industrie, c'est mal vu. Voilà. Ok, je sens... Et c'est ainsi que je vais passer à la question originale du jour, parce que ça se fait. On essaie chaque jour de trouver une question originale à se poser les uns les autres pour introduire On n'a rien préparé. Et aujourd'hui, ma question, Hicham et Manu, c'est est-ce que vous avez la main verte et est-ce que vous avez des petites plantes dont vous vous occupez dans votre appartement? Non, je suis un assassin botanique. Ah ouais, ouais. Raconte. Ouais. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, vers le début. Où mon ex m'avait offert une plante en me disant, un cactus je crois, en me disant, mais non, en fait, c'était une plante, et elle m'a dit, t'en fais pas, ça peut pas mourir, et elle est morte quand même. Oui, je me souviens de ça. Donc oh, non, voilà. Mais j'envisage, honnêtement là je suis en train de me dire, j'envisage d'avoir des herbes aromatiques à faire pousser quelque part, parce que c'est beaucoup plus économique et beaucoup moins chiant que d'avoir à acheter des herbes aromatiques en magasin. Et en plus, souvent, du coup, ça sent plus, ça goûte plus. Mm-hmm. Frais. Manu dit ça goûte plus. Je pense qu'un cactus, ça goûte quelque chose. Ça goûte juste moins bon. Une herbe aromatique. Eh bien, moi, depuis que j'ai emménagé, on a un plant de basilic et un plant de coriandre qu'on a... Tu vois, on a acheté les petits pots comme ça, avec des petites plantes au Deleuze. Et pour le moment, ils ont l'air de plutôt bien se porter. Et la coriandre, il y a des nouvelles petites pousses et tout. Donc voilà. Ça goûte. Moi, ouais. J'ai jamais réussi à maintenir ces machins-là en vie, en fait. Eh bien, moi, ce serait une première. Ouais, ouais. De l'usage unique, en fait, ces machins. C'est un peu ça qui est chiant avec ces machins. Ouais. Ah bon, on ne fait pas un podcast de botanique, j'imagine. Donc, et toi, Ise? Moi, je fais ma maline en vous posant la question, mais en vrai, j'ai encore oublié d'arroser ma lavande. Je reviens dans 2 minutes, je vais arroser mes plantes. Un peu de thé dedans, allez hop, un peu de potomanie pour ma petite lavande. Allez, sans transition, ce podcast sera composé de 3 improvisations, 3 jeux proposés par Hicham, Manu et moi-même. Et à chaque fois que l'un de nous propose une impro, eh ben on propose aussi une contrainte, parce que c'est plus drôle de voir les autres galérer. Voilà, voilà. Non, mais c'est plus s'élever au niveau du défi, tu vois. C'est un plus un. Ça nous porte. T'as un catalyseur. Ça, on place la barre haut, mais pour le plaisir de voir les autres la franchir, en fait. Oui. Waouh. Ouais. C'est beau ce que vous dites. Et on leur dit Mais oui, tu peux le faire. Mais oui, tu vaux autant que ça. Mais oui, vas-y. Oh, mais si tu te plantes, c'est pas grave, c'est rigolo. Ça. Et la première scène d'aujourd'hui est proposée par Hicham. Oui, notre impro sera une conférence de presse. Ça fait un petit temps, on en avait déjà fait 2-3 fois, je crois. Ise sera une personnalité connue, ça peut être un personnage fictif ou réel. Hypothétiquement, avait une chose un peu saugrenue à annoncer à une conférence de presse. Et nous jouerons, Manu et moi, des journalistes qui poseront des questions pour essayer de lui donner des indices. Parce que le twist, c'est que Ise ne sera pas au courant de qui elle est et de ce qu'elle annonce. Parce qu'elle va s'isoler. Sonoriquement, à nouveau, je n'ai pas d'adverbe pour ça, mais en tout cas, s'isoler, elle va couper son micro et ses écouteurs, le temps que j'annonce à Manu qui elle est. Bon, Ise, tu peux couper ton son, s'il te plaît, brièvement, on te mettra dans le,
chat quand tu pourras écouter. Et donc, maintenant que nous sommes isolés, voilà, Ise sent des pieds, ha 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 ha, elle peut pas l'entendre. Mais donc, Ise sera Gandalf, donc Gandalf de, du Seigneur des Anneaux, qui annonce qu'il se lance en politique. Par exemple, candidat bourgmestre. Ah, c'est intéressant. Dans une, par exemple, une commune bruxelloise, parce que nous sommes bruxellois, nous parlons local. Ça va ? Ok, très bien. Gandalf est candidat bourgmestre. On réinvite Ise à se joindre à nous. Tu peux... Vous parliez sur mon dos ? Pas du tout. Absolument faux, ok. Tu as ton identité, donc on va juste lancer l'impro. C'est parti, quand vous voulez. Merci d'être venu. Place aux questions, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ici Tommy, de la Gazette du Petit Peuple. Je vous demandais, est-ce que du coup, ce sera uniquement pour les gens comme vous, ou est-ce que vous comptez ouvrir à d'autres personnes, d'autres êtres, finalement ? Écoutez, nous sommes dans une génération de l'ouverture, alors je pense sincèrement ouvrir à d'autres personnes que des personnes ben, comme moi. C'est pour tout le monde. La Gazette du Ciel Gris. J'avais une question, en fait, vous aviez effectivement pris votre retraite, vous étiez même parti à l'étranger à la fin de votre précédente carrière. Et qu'est-ce qui a motivé votre retour, en fait, et surtout ce changement de registre, je dirais ? Eh bien, c'est un appel du peuple, au final. J'ai écouté le peuple et le peuple m'a dit qu'il avait besoin de mon intervention. C'est pour ça que je suis là. Alfred de Les Humains d'Abord TV, est-ce que finalement, vous allez encore sans doute tout chambouler, vous allez sans doute, encore je ne sais pas, votre programme ce sera quoi alors ? L'aventure commence à votre porte, allez-y, partez, et puis finalement, quel programme concret pour vos administrés si vous êtes élu ? Écoutez, chambouler les choses, ça fait partie du changement. On ne change pas les choses simplement en serrant des mains. Non, parfois, il faut savoir taper son poing sur la table. Et c'est sur la table du monde que je tape. Le magazine de la mode d'ici, nous demandions si du coup, vous alliez, en parlant de changement justement, vos changements à vous, est-ce que vous alliez une fois de plus changer de teint de garde-robe ? Parce que vous l'avez déjà fait par le passé et donc... Il est vrai que le changement de garde-robe fait partie au final de ce que le peuple demande. Parfois, je dois, mine de rien, savoir me plier aux demandes du peuple. Et je le fais, entre autres, par les nouveaux moyens contemporains. Oui, bonjour. Ici la Gazette des Monts Perdus. Finalement, vous étiez à vos internationales. Vous avez volé des choses qui étaient précieuses et maintenant vous allez les enfermer dans un tout petit endroit. Mais est-ce que vous pensez que les gens à qui vous avez volé, ils ne vont pas venir réclamer ce que vous avez pris ? Hors de personne et après ce que j'ai traversé, je pense que l'adversité peut venir. Elle peut venir, je l'attends. Oui, bonjour. Une dernière question de vie bruxelloise. Nous nous posons tous une question. Est-ce que vous avez envisagé ce que vous feriez si, après les résultats, vous ne passerez pas au second tour ? Je suis pas sûre, il est vrai. Mais si je ne passe pas, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer. Et peut-être que dans une autre vie, je reviendrai sous une autre forme. Et là, je serai premier. Ok, Ise, j'ai l'impression que tu as peut-être deviné. Est-ce que qui tu penses être et qu'est-ce que tu penses annoncer ? Est-ce que je suis Gandalf ? Oui. Oh, je suis Gandalf ! Voilà, on peut terminer l'émission. Voilà. Ok, et qu'est-ce que tu penses devoir annoncer ? Alors ça, je suis moins sûre. Est-ce que par hasard, je me présentais aux élections, je sais pas, américaines, un truc comme ça ? Effectivement, c'était des élections, mais c'était pour être plus local. J'avais dit au bourgmestre bruxellois, mais bon, voilà. Trop bien ! Bien joué, Ise. Bien joué. Bravo, bravo, bravo. Wow. Au début, j'ai cru que j'étais une fée, parce que je savais pas si j'étais plus ou moins masculin, féminin. Donc du coup, j'étais, attends, une fée dans le Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'il parle de... Je sais pas, Legolas, Galadriel, je sais pas qu'est-ce que je suis. Bon, heureusement, c'est l'intervention.
avec les changements de tenue, j'ai fait « Ah ouais, !» bah... Ah oui Fatalement là, là, c'est sûr, je suis Gandalf. Je suis Gandalf. Je suis Glandulf. Merci beaucoup, les... Et en plus, Manu, il y avait son passage, il faisait à moitié se met à gueule. Et c'est un oui. peu genre, tu vois, le gars ultra chiant qui a une question qui n'en finit pas, qui n'est même pas vraiment une question. Et tu fais oui. genre, ok, merci, vous pouvez vous rasseoir. Sécurité, sécurité. C'est genre du moment où tu essaies de déceler ce que la personne a dit, mais au final, tu n'as pas retenu la question. Et je crois que pas de question. C'est surtout qu'il n'y avait pas de question, tu vois. Mais oui, j'ai vaguement répondu oui. Eh ben merci les garçons, grâce à vous, j'ai été Gandalf et ma vie est accomplie. Et on va pouvoir passer à la seconde improvisation qui est proposée par Manu. Eh bien oui, mon improvisation à moi, ce sera une dans la pièce à côté. C'est aussi une impro qu'on a déjà faite par le passé. En gros, je vais d'abord vous passer un extrait d'une scène de film assez connue. Hein, je pense que pas mal de nos auditeurs et auditrices reconnaîtront. Mais c'est pas le sujet. Je vous demande de bien écouter parce que après, vous allez jouer ce qui se passe dans la pièce à côté de la pièce où se déroule cette scène. Ça va, c'est clair pour vous ? Oui, bon. Donc, ça commence juste après ça. 8, 9, 10, bon, c'est mon tour. Sarah ? Si tu fais un 12, tu gagnes. À chaque pleine lune et en toute saison, il y aura la mousson sur ton lagon. On est à l'abri, en tout cas. Que c'est beau. Oui, oui, c'est beau, mais enfin, ça fait 5 heures qu'ils sont enfermés dans cette pièce à jouer à ce dernier jeu. Le repas est froid. Oui. Enfin, voilà, quand est-ce qu'ils sortent ? Charles, sois un peu compréhensif, c'est la jeunesse. Souviens-toi de nous, à leur âge, on était pareil. Mais Françoise, leur ami d'école, il a l'air d'avoir 45 ans, hein ? Ça ne m'a pas l'air d'être sain du tout. J'ai l'impression que nous devrions intervenir. Nos enfants ne sont pas en sécurité. Je pense que tu manques d'ouverture, mais vas-y, tu vas te prendre un mur. Tu vas te prendre un mur, Charles. Le mur de la modernité, moi je te le dis. Vas-y, va donc les arrêter. Je te regarde. Non, ça va, écoute. Mettons-nous à table, ils vont finir par sortir. De toute façon, voilà, commençons à manger, quoi. Protège la salade, ça va foutre en l'air toute la nourriture. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh mon Dieu, la bouffe à la... La bouffe à la... C'est une canalisation qui a pété. Alors, je savais que ce plombier était un arnaqueur, mais Ça va, j'ai tendu la bâche sur la table. la bâche? Oui, je promets toujours une bâche. Mais je ne comprends pas, c'est... Il n'y a pas de canalisation au grenier, je... Je comprends pas non plus. Françoise, cet achat de maison, c'était vraiment le début de la dégringolade de tout ce qui nous arrive, j'ai l'impression. Tu vois, depuis qu'on a acheté cette maison, les enfants ont de mauvaises fréquentations, les canalisations pètent, nous n'avons plus de vie de famille. Qu'est-ce qui nous arrive, Françoise? Qu'est-ce qui nous arrive? Je sens que tu craques, Charles. Exprime-toi. Tiens, prends un mouchoir, prends un bout de la bâche. Ça sert à rien, c'est tout trempé. Mais pas autant que ton cœur, Charles. Vas-y, exprime-toi. La vie, c'est de la merde, Françoise. Voilà ce qui se passe. La vie, c'est de la merde. Et nos enfants vont se faire embrigader dans un culte par un naturaliste, survivaliste, je ne sais pas quoi. Et ils seront d'autant plus proches de la nature. Plus vite ils s'en iront, plus nous serons qu'à deux, Charles. On passe pas la bouffe à la. D'accord, s'il te plaît. Et tout mouillé. Allez, venez les enfants, on peut terminer cette partie et sauver toute la ville. Ouais, go. Et les enfants, revenez le jour. Non, non, c'est Van Pelt. Ah, laisse-les partir. Passe-moi la bouffe à la...
Phrase du jour. Voilà. Je visualisais vraiment le gars assis par terre sur le tapis, imbibé d'eau, à manger une bouffala trempée. Ouais. Mais oui. Une bouffala. Attends, on est d'accord qu'une bouffala, c'est la bufflone, c'est pas la burrata ou quoi que ce soit. Non, c'est deux choses différentes. Oui, c'est ça, la bouffala, c'est bien la bufflone qui donne du lait pour faire ce fromage. Donc. Oui, c'est ça. En fait, ils avaient une énorme pièce de viande sur la table, genre de 10 kilos. Ça donne une autre perspective sur ce repas tout d'un coup. C'est pour ça qu'il fallait être vache. Il venait de l'écarrir au milieu du salon. Et ben, j'avais pas tout de suite deviné quel était le film, figurez-vous, jusqu'à ce que Manu fasse son intervention. Ah, oui. Ah ouais, putain, sérieusement. J'ai entendu les deux, je fais genre, bah c'est ouais. Jumanji ça. Ouais. Ah ben, oui. Parce qu'effectivement, c'était le premier Jumanji. Mm-hmm. Et moi, je pensais effectivement qu'avec, tu vois, le bruit des dés. Ah oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Oh. Le 2 est vraiment sympa. Quel 2 ? Je sais qu'il y en a un. Donc, Welcome to the Jungle. Mmh. Où en fait il y a Jack Black et tout ça, en gros ils sont dans un jeu vidéo maintenant, mais vraiment ils parviennent à bien utiliser les tropes du jeu vidéo, c'est assez rigolo. Je suis extrêmement méfiant, je dois dire. Mais je l'étais, et puis j'ai été très bien sûr. Mais peut-être parce que j'en attendais pas grand-chose. Enfin bref. Mais donc oui, donc c'est Jumanji, effectivement il y avait ce bruit de dés, et puis ce petit poème, parce qu'il y a toujours un petit poème à chaque fois qu'ils jettent les dés qui annonce la catastrophe à venir. Avec les crocs. Avec les crocos, tu dis ? Il n'y avait pas les crocos dans Jumanji ? Ouais, dans la mousson, après, il y a de la flotte partout et il y a le croco qui débarque. Ah, ouais. Allez. Pour moi, mon pire souvenir de Jumanji, ça reste les moustiques. Parce que j'ai toujours, de tout temps, j'ai été beaucoup piqué par les moustiques. Et du coup, voir débarquer des moustiques qui étaient capables de péter des pare-brises de bagnoles et des toits de voiture. C'est, franchement, je crois que j'en ai fait quelques cauchemars, des moustiques de Jumanji. Oh, merde. Par les moustiques. Ah, oui, mais c'est parce que t'es grand, t'es plus proche du ciel, tu comprends. Oui, surtout quand je dors. Ensuite, quand tu revois les singes maintenant, c'est quand même un peu dur à voir, quoi. Ça a mal vieilli. Ça a vieilli. Oui, oui. Du coup, en préparation de l'émission, j'ai aussi vu la scène avec le lion. Et oui, mais le lion, on sent que voilà, c'était une autre époque. Hein. C'est ça. Eh bien, voilà. je vais renvoyer un vent de fraîcheur en passant à mon improvisation parce que 94 est dans la place. Il est sorti en quelle année ce truc ? Je crois que c'est 93, Jumanji. Ça, c'est Jurassic Park, c'était en 93, mais Jumanji, c'est quand même un peu plus tard, il me semble. Attends, Jumanji, 95. Et j'apprends. Ah, voilà. Ouais. Elle était sur cette terre. La terre était blessée. Genre, le premier film qu'on est allé voir avec mes parents au cinéma et où ils tenaient à le voir en VO sous-titré. Et du coup, toutes les deux secondes, je demandais à ma maman, ils disent quoi là ? Ils disent quoi là ? Et je crois que je lui ai pourri tout son film, quoi. En même temps, je pense que les premiers, c'est tu les sacrifies, mais je trouve ça assez cool comme truc d'emmener ses enfants voir du VO. What ? Attends, les premiers, tu les sacrifies ? Tu sacrifies tes premiers enfants ? Non, mais les premiers films, tu les sacrifies. Tu ramènes un gosse en bas âge voir au Cinoche pour voir de la VOST. Clairement, le gosse, parfois, selon l'âge, ils savent même pas lire, tu vois, voire à peine. Et donc, tu leur mets tout ça, ça peut être pour beaucoup, quoi, tu vois. C'est vrai. Mais donc, tu sacrifies un peu ces films-là à ça. Enfin, voilà. Sur ce sacrifice des mères, messieurs, je vais vous demander un mot. Un mot, s'il vous plaît. Vite, comme ça. Boomerang. Boomerang, c'est parti. Je vais vous proposer une improvisation fait divers du net. Et j'ai donc tapé fait divers, suivi de boomerang, merci Manu pour ce mot. Et le premier fait divers sympathique sera votre inspiration pour votre impro. Sympathique, ouais. Parce que rappelons-nous du précédent que j'ai animé. Et le malaise. Voilà, la bonne humeur qu'on essaye de transmettre dans ce podcast, finalement, c'est bien. Et ben là, je vais juste vous dire le titre, parce que c'est juste trop space. Okay. FranceTVinfo.fr nous dit « Le vrai du faux. Non, un Américain n'a pas gagné son procès en portant plainte contre lui-même. » Ok, merci. Je vous rappelle que vous pouvez vous inspirer de n'importe quoi, voire même un seul mot. Il n'y a pas de souci. Et attention, c'est parti ! Mais voyons, Alan, ça n'a pas de sens.
Si, 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 je te dis, mon avocat me dit que c'est bon. Non, mais Alan, tu es ton propre avocat. Oui, 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 et c'est bon. Écoute, je suis... Je regrette de te dire que en fait, tout le monde s'inquiète, là. Bah non, 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 mon avocat est très confiant, ça va... Oui, non, mais d'accord, mais non, mais... Mais parce que justement... Sharon est venue me voir. Il y a déjà eu un cas, en 76, et le gars, il a porté plainte contre lui-même parce que dans son sommeil, il avait ingéré du lactose alors qu'il était intolérant au lactose, et il a gagné, et il a été condamné, et il a reçu pas mal d'argent. Hein. Alan, est-ce que tu vois ce que tu es en train de faire, là, en fait, hein? Tu te rends compte que tu es en train de faire comme ce que papa a fait, hein? Ramène pas papa là-dedans. Écoute, bah, Alan, je... Papa n'a rien à voir avec ça. Désolé, mais c'est pas que il est là, mais tu es en train de rejouer sa vie, là, hein? Mais comment ça? Ça n'a rien à voir. Comment ça, ça n'a rien à voir? Papa s'est autodétruit. C'était du sabotage, de l'autosabotage. Et ce que tu es en train de faire, c'est te saboter. Oh bah bravo, voilà. Tout ça parce que papa a refusé de te mettre... Tu ne peux pas te traîner toi-même en justice pour t'être cogné l'orteil contre la table de nuit. Mais c'est moi-même qui l'avais assemblé, cette table de nuit. Donc c'est ma faute. Oui, c'est ta faute. Mais quand on assume, eh ben on dit « Ah, c'est ma faute, j'ai été con, voilà. » Enfin, Donc... Mon moi du présent doit assumer pour la faute commise par mon moi du passé. Attends, je demande. Non, mon avocat trouve que c'est stupide ce que tu dis. Et d'ailleurs, attends, je vais lui laisser un peu prendre la parole, hein. Alan, remets tes vêtements. Mais pourquoi c'est... Oh. Oui, vous voulez beaucoup de mal à mon client, à ce que j'entends? Et vous lui refusez son droit à se défendre lui-même, contre lui-même ? Alan, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter cette mascarade, s'il te plaît ? Mascarade ? Mascarade ? Alors le mot est fort. Mais vous, monsieur, vous qui finalement avez toujours été un petit peu jaloux parce que votre père ne vous a pas aimé suffisamment, parce qu'à l'heure dernière, il a refusé de vous mettre... Alan, arrête tout de suite. Alan, arrête tout de suite, ok ? Alan. Mais Alan n'est pas ici, monsieur. Je suis son avocat. Oui, je parle en son nom, mais je ne suis pas... Tu vas arrêter ! Tu vas arrêter ! Enlève cette veste ! Enlève ce veston ! Tu m'aides ! Jamais ! Oh, c'est l'habit de ma... Mais qu'est-ce que tu fais, Michael ? Où est mon avocat ? Qu'est-ce que t'en as fait ? Écoute, Alan, je vais y aller. Je pense que tu sais ce qui ne va pas, et donc c'est entre tes mains de savoir si... Si tu veux arrêter tes conneries et arrêter d'inquiéter tout le monde et foutre le bordel autour de toi, ou bien si tu veux... c'est à toi de voir. Donc je vais y aller, je vais... Michael. Parce que je vais emmener Sharon et tes gosses, on va aller avec ma famille manger une glace au centre commercial et on te laisse une petite heure pour te... Michael, hein, voilà, hein. Si tu vas au centre commercial, est-ce que tu peux me ramener un body de zèbre ? Ça fait longtemps que j'ai pas vu Monsieur Zèbre et il me manque un peu. Au revoir, Alan. Fin de la pro. Aïe, 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 effrayant. Je vois que Hicham s'est dit, ce thème ne va pas, je serai la voix de la raison. C'est un premier test. J'imagine vraiment, tu vois, il y a ce mec qui se traîne lui-même en justice et j'imagine les gens autour de lui qui sont perplexes, qui doivent être perplexes ou estomaqués, je sais pas. Je te voyais le faire, c'était fantastique, quoi. Avec les doigts qui faire quoi ? Je te voyais, toi, Hicham, avec les doigts semi-écartés en train de faire oula, oula, oula. Il y a littéralement un moment où j'ai pointé le doigt vers le pseudo de Manu sur mon écran pour me mettre dedans. Genre, arrête tout de suite ce que t'es en train de faire, en train de pointer vers Félondra avec le petit. Non, mon pseudo est dévoilé aux yeux du monde. Mais oui. Quoi, tu n'assumes pas ton pseudo des internets ? J'assume tout à fait mon pseudo des internets, monsieur. Oui, Félondra, voilà, c'est ça. Félondra. Tête de tigre. Félondra, tête de tigre. Et Sergent Roupillon. Oh non ! Est-ce que vous assumez mon pronom ? Est-ce que vous les assumez ? Elle, je pense pas qu'elle assume, quoi. Mais non, mais... Si. Mais il faut savoir... La backstory. Backstory. Un de mes plus grands talents dans ma vie, c'est dormir.
Est-ce que tu fais des workshops ou des masterclass de ça? Oh, je pourrais. Oh, je pourrais. Eh, mais putain, c'est vrai. Voilà. C'était la backstory de Sergent Roupillon. Oh, ça va, Caius. Oh. Mm-hmm, ouais, ouais. C'est quoi la backstory de Caius? Je vais pas la dire. Ouh, voilà. Ça, ne pas assumer son pseudo. Parce que je suis ténébreux et ethnique. Non, tu es croustillant. Non, tu es crépitant. Non, t'es... Non, arrête de dire ce mot. Moi, ça m'évoque vraiment des mauvaises choses, quoi. Et voilà, cette session touche doucement à sa fin. Pour conclure, je pose l'opportunité à chacun, chacune d'entre nous d'exprimer un coup de cœur du jour. Et parce que je suis une dingue et qu'on a décidé qu'on était des dingues depuis l'épisode 10, et bien on fait pas dans l'ordre des impros. Tu vas réussir, contrairement à moi, est-ce que tu vas réussir à ne pas le faire dans l'ordre des impros? Oui, parce que j'ai les notes devant moi et c'est Manu qui va commencer. Mon coup de cœur du jour, en fait c'est un peu un coup de cœur en demi-teinte, c'est pour une série de livres qui s'appelle La Passe Miroir, et en fait c'est une quadrilogie d'une dame qui s'appelle Christelle Dabos, qui est une jeune autrice française. En fait elle est un peu franco-belge, elle a vécu en Belgique un moment je pense, et donc c'est une quadrilogie, et en fait les trois premiers tomes sont vraiment géniaux. C'est un univers super, un peu magique, une héroïne mais qui est hyper maladroite, qui a des pouvoirs mais qui sait pas trop les utiliser, ses pouvoirs se retournent parfois contre elle, donc c'est compliqué. Puis c'est un univers où il y a un peu des espèces de grandes familles qui ont chacune leurs pouvoirs, etc. Et ça, c'est vraiment super. Puis il y a un quatrième tome qui est compliqué et qui, en fait, a reçu un accueil tellement, tellement déplaisant de la communauté que l'autrice a écrit un billet sur son blog pour se défendre et dire « Oui, mais dans ma tête, c'est comme ça que ça devait finir, alors laissez-moi tranquille. » Et après avoir lu ce quatrième tome, effectivement, ce quatrième tome est compliqué. Mais les trois premiers tomes sont vraiment super. Du coup, allez lire les trois premiers tomes, puis ne lisez pas le quatrième, c'est très dispensable. Mais les trois premiers tomes sont vraiment super bien. Voilà. Ça s'appelle comment donc? La passeuse... La passe miroir. Ok. Parce que son pouvoir, enfin, un de ses pouvoirs, c'est de pouvoir passer à travers des miroirs et entre guillemets, se téléporter d'un miroir à l'autre, un peu à la Portale. Eh bien, merci beaucoup, Manu. Étrange. Le mauvais côté des communautés de fans. Oui, mais vraiment, parce qu'au début, je me disais, oh là là, ils sont un peu durs. Puis j'ai lu le truc et c'est vrai que, enfin, tout à coup, elle essaye de tout justifier et tout. Et ça devient vraiment très compliqué pour pas grand-chose, je pense. Donc c'est dommage. Mais voilà. Bah, dites-nous si vous avez au contraire aimé le tome 4 hein, aussi, hein, les auditeurs, si jamais. Eh bien, oui. Mais non, Manu, pas du tout. Dites-le lui. Hein. Manu, goût de chiottes. je défendrai mes goûts avec plaisir. Et toi, Hicham, quel est ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est pour une personne, un artiste, qui s'appelle Exaeva. À la base, c'est un illustrateur et auteur de BD que je connais, mais qui est aussi musicien, qui fait partie notamment du duo Boroboro, qui fait une sorte de truc post-stupéflipesque, un peu pété. C'est très, très bien, d'ailleurs, leur musique. Vous pouvez les écouter sur Spotify et YouTube, Boroboro, comme ça se prononce. Il y a notamment un clip sur YouTube d'un de leurs morceaux qui s'appelle Choix stratégique, qui est vachement bien. Il fait aussi de son côté des covers, des mashups, des compos. Et il a un compte SoundCloud qui sera en lien dans la description. Et enfin, tous les liens dont je parle seront dans la description du podcast. C'est vachement bien. Il y a des trucs de dingue. Il y a des covers qui sont trop bien. Il a une reprise du générique d'ouverture d'Evangelion qui est trop fort. Une reprise de Piña Colada qui est trop bien aussi. Enfin, il a plein de morceaux très très bien. C'est un producteur vraiment très très fort, je trouve. De la production musicale. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui me pousse à faire plus de musique. Et du coup, j'aime beaucoup avoir ça dans mon paysage social. Ouais, et aussi récemment, il a fait un concert sur Twitch de ses reprises avec tous ses potes qui sont illustrateurs, qui faisaient du dessin en live sur son stream. C'était trop bien. Et il a aussi la BO d'un jeu vidéo, d'un petit jeu indépendant d'une de ses potes. Ça s'appelle Bisous de Feu. Enfin, voilà. Oh. Et donc, ouais, c'est pas un jeu porno, si c'est la question, hein, ok. Mais j'ai rien dit. Non, mais il y avait un truc, un truc comme ça. Mais c'est pas du tout ce que... Défendez-moi. Moi, c'est ce que j'ai entendu, ok. C'est ce que j'ai entendu. Comme ça.
T'es pas obligé de faire du porno dans tout ce que je dis, Hicham. Oh là là. Non, c'est pas vrai. Alors là, c'est faux. C'est faux. Ok. C'est faux. Mais donc voilà, Exaheva, E-X-A-H-E-V-A. Il y aura le lien vers sa page SoundCloud, vers la page Spotify de son duo Boroboro et peut-être un ou deux morceaux en particulier parce que ce qu'il fait est vachement bien. Ok. Pour moi, déjà, un truc post-stupéflipesque, c'est suffisamment. Déjà, ça annonce. Trouve, en tout cas, il y a une influence, quoi. Pas que de ça, mais quand même. Du lourd. Et mon coup de cœur à moi, c'est pour un site que j'ai découvert qui est aussi une page Instagram. Ça s'appelle New Decorum et c'est trop bien. C'est un site qui met en avant des artisans du détournement d'objets. Et entre autres, tu as des pots de fleurs qui sont des vieilles radios, qui sont des machines à écrire. Et c'est tout du détournement d'objets comme ça. C'est vraiment un site qui rassemble tous les artisans qui font ça. Et ça te permet de découvrir de nouveaux artisans et des idées vraiment originales et recycler des choses pour faire du joli. Voilà, j'aime beaucoup ça. New Decorum. Et j'adorerais avoir une plante dans une machine à écrire. Je ne saurais pas en prendre soin, mais... Il y a beaucoup de lampes, oui. J'ai l'impression. Il y a des lampes, mais il y a aussi pas mal de plantes. Mais le problème, c'est que je ne sais pas en prendre soin. Voilà, voilà. Salut la vente, je t'arrose dans 5 minutes. Et je vais laisser Manu parler du Tipeee. Oui, alors, pour nous soutenir, vous avez beaucoup de solutions. Vous pouvez... partager nos podcasts, hein, qui notamment en cette période de confinement permet de donner de la visibilité aux artistes à défaut de leur donner des sous. Vous pouvez vous abonner, mettre des trucs gentils sur nous, sur vos réseaux sociaux favoris, etc. Ou bien justement, si vous en avez les moyens, vous pouvez nous donner un petit quelque chose sur Tipeee, qui est une page qui sera évidemment dans la description du podcast et qui nous sert un petit peu de chapeau virtuel pour ce qu'on fait. Et qui nous permettra d'acheter du matériel de meilleure qualité pour pouvoir vous fournir du contenu de meilleure qualité et éventuellement, soyons fous, nous défrayer puisque nous sommes tous et toutes comédiens et comédiennes professionnels sur ce podcast. Voilà, voilà. Merci Manu. Merci Manu. Et voilà, c'est ce qui conclut pour aujourd'hui. On n'a rien préparé, le 11e épisode. On n'a rien préparé, le 11e épisode. Vous avez entendu? Je l'ai mal dit. Oh mon Dieu. C'était pour aujourd'hui, pour vous. On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Hicham, un petit mot de la fin? Non. D'accord. Paradoxe, c'est un mot. Ah oh. Manu, un petit mot. Amour. Waouh. Et moi, je dirais Boufala. Salut tout le monde. Au revoir.